de Scriver. J'ai 54 ans. Je suis née en République démocratique du Congo, dans le Kivu. Je suis mariée depuis 31 ans. J'ai deux enfants. Je travaille pour un mouvement mondial de lutte contre les violences basées sur le genre, violences faites à la femme, le mouvement VIDÉ. Et ma passion, ce sont les femmes. L'élément déclencheur qui m'a poussée à l'extrême de mon activisme, c'est la perte de ma meilleure amie en 1998. Elle était métisse comme moi, donc elle n'était ni noire, ni blanche, ni Hutu, ni Tutsi, qu'on a tuée, il y avait plus d'une centaine de coups de couteau. Donc du jour au lendemain, la disparition de mon amie dans des conditions d'une violence inouïe. Et c'est là que je me suis dit, je dois beaucoup plus m'engager, je dois changer les choses parce que cette violence contre les femmes doit cesser. Et je n'ai pas voulu que mon amie Josette soit morte pour rien. Donc notre projet, c'est surtout pas de venir vous voler votre histoire, de venir vous prendre quelque chose que vous n'avez pas envie de partager. Non, donc, vraiment pas ça. Au contraire, on est là pour donner la parole à celles qui ont envie de partager, qui se disent, moi je suis prête, je veux que le monde sache ce que j'ai traversé, je suis là debout. Voilà. Tu vas être ici, tu vois, Eliane, elle est là-bas. Pendant que tu parles, tu la regardes tout le temps. Par peur, moi, j'ai pas dit que je t'ai violée. Un mois après, j'étais enceinte. Je puis avorter. Malheureusement, les conséquences de cet avortement-là me suivent même 4 ans après. Et ce jour-là, ce viol a changé ma vie. Le combat que nous menons ici avec les femmes congolaises, pour les femmes congolaises, pour nous toutes d'ailleurs, est un combat très 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 important. Et je dois dire important pourquoi ? Parce qu'on n'a pas besoin de grand chose pour changer la communauté. On n'a pas besoin de milliards pour changer les communautés. Parce qu'à partir du moment, quand je vois nous avec notre programme de leadership, où on arrive déjà à changer un peu le mental, à changer un peu la mentalité, à valoriser la femme, et essayer de former ces... Moi, je les appelle des petites graines de révolution pour aller changer leur communauté.
leur communauté, c'est déjà un grand pas. Il y a eu tout ce qui nous est arrivé, mais on n'a pas seulement tourné la page de ce livre, on l'a refermé. Aujourd'hui, c'est à nous-mêmes, avec nos mains, d'écrire notre propre histoire. I gave up everything. I raised your children. I swam against the stream. I walked every mountain. What is it that you want from me? Is it my soul? Is it my body? What is it that I need to do so you can set me free?